Métropolis. Au lycée Jean Bouin était organisée une journée de sensibilisation sur les accidents de la route. Avec la participation des pompiers de Saint-Quentin, au micro, une élève du lycée nous présente cette journée. Alors aujourd'hui, on fait une journée sécurité routière pour sensibiliser un petit peu les élèves du lycée, puis leur dire qu'il ne faut pas boire et tout ça pendant une fête ou autre, et ne pas prendre le volant pendant qu'on a bu. Alors justement, toi, tu en penses quoi personnellement ? Moi, je pense que c'est très bien, parce que ça permet de... Comment dire ? Ça permet de sensibiliser, déjà, et que les élèves se rendent compte des cas d'accident qu'il y a. C'est Corinne, proviseur adjoint, qui nous fait le point de la journée. Alors c'est une journée de sensibilisation à la sécurité routière. Nous en sommes à notre 5e édition. Et donc lors de cette journée, les élèves de seconde année de bac pro, les élèves de 2GT et les élèves de première année de CAP se déplacent sur différents ateliers répartis dans tout l'établissement de façon à être spectateurs et acteurs de différents ateliers comme avec la police municipale, avec l'association des donneurs de sang, avec le centre info jeunes, je vais essayer d'oublier personne, avec des élèves de chez nous, de première année bac pro, accompagnement soins et services à la personne, qui eux-mêmes ont aussi créé des ateliers sur le code de la route, sur la prise en charge du handicap suite à un accident, sur la prise en charge d'un malade dans une chambre d'hôpital suite à un accident. Autre moment fort, c'est celui que l'on va vivre là, c'est avec les pompiers de Saint-Quentin, où ils vont procéder à un exercice de désincarcération. Dans la voiture sera placée une de nos élèves qui a été volontaire et autorisée par ses parents pour faire l'exercice, parce que voilà, c'est pas non plus un amusement, hein, c'est pas un exercice anodin. Le commandant Patrice Deck qui nous explique la participation des pompiers à cette action. Alors, chaque année, nous intervenons sur ces journées de prévention avec le lycée Jean Bouin, hein, car pour nous, la prévention, c'est très important, c'est faire passer des messages de prévention pour éviter justement à intervenir, hein, donc auprès des jeunes, tout ce qui est accident de scooter, consommation d'alcool, téléphone portable au volant, etc. Hein, tous ces gestes qu'il faut absolument éviter pour limiter le nombre d'accidents. Ensuite, on veut aujourd'hui démontrer un peu notre travail sur intervention et nos sapeurs-pompiers aujourd'hui, bien sûr, réaliser cette prestation avec excellence. Hein. Donc nous avons pu voir intervenir un VSAV, un véhicule secours routier et un chef de groupe qui ont permis de porter secours à cette victime d'un accident et de faire une désincarcération dans les règles. Nous donnons la parole aux élèves, à commencer par Marjorie, Ilan et Dorine. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce que tu as pensé de cette action aujourd'hui ? Bah, ça apporte beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. On apprend du coup le handicap, on se met à la place de quelqu'un qui est handicapé. Ça nous aide à beaucoup de choses aussi, parce que ça peut nous arriver à tout le monde, genre du jour au lendemain, on peut le devenir. Bonjour Ilan. Bonjour. Alors, et toi, qu'est-ce que tu penses de cette journée de mobilisation aujourd'hui ? Je pense que c'est une très bonne action qu'on fait. Ça permet de,
de se rendre compte qu'il y a vraiment des dangers dans la vie, notamment pour les accidents. Alors, je pense que c'est bien, parce que ça peut sensibiliser. Ça apprend aussi à certaines personnes les dangers de la route qu'il peut y avoir et comment réagir. Cette journée a sensibilisé, ça c'est sûr. C'est pourquoi le lycée renouvellera cette action l'année prochaine. Mais surtout, soyez prudents sur la route.